sommes venus avec la conviction qu'il faut travailler, que notre pays a besoin d'un Parlement qui n'est plus un Parlement monocolore, un Parlement à un seul son. Il faut plusieurs sons pour faire une bonne mélodie. Et nous avons besoin de travailler pour que les choses changent un peu. Que les parlementaires, que les décideurs comprennent que les Béninois souffrent. Si notre action peut servir à corriger quelque chose dans le pays, nous aurions réussi. En tout cas, le peuple attend cela de nous, nous en avons pleine conscience. Il faut amnistier, il faut libérer les gens, il faut créer les conditions pour que les Béninois vivent mieux, il faut restaurer la démocratie. C'est notre première participation à cette auguste assemblée. Les impressions ne sont que de bonnes impressions. On vient de commencer. On a aussi déjà planté le décor. Nous sommes un parti de l'opposition qui est en train de penser au bien-être de ce peuple-là. Et vous voyez, notre groupe parlementaire, les démocrates, a été déjà créé. Et avec tout le contenu qu'il faut déjà. Bon, ça ne vient que commencer. L'intérêt du peuple va être priorisé par rapport aux intérêts égoïstes individuels. Et nous allons aller dans ce sens-là à tout moment. Lorsque les intérêts du peuple sont en jeu, nous irons au profit du peuple. Après tant d'années d'exclusion, c'est connu de tous, hein. Enfin, pour nous, le Bénin est en train de renouer avec les bonnes pratiques de la démocratie. Donc c'est un grand jour pour nous. Tout le monde sait dans quelle situation le peuple se trouve aujourd'hui. Nous espérons qu'on doit remettre les choses plutôt à l'endroit, tout est à l'envers. Les défis sont grands. On a des défis d'emploi, tous les acquis sociaux qui sont menacés, c'est clair. Oui, l'état de droit n'est pas vraiment ce qu'il faut. Même la devise de notre pays pour nous, un peu bafoué aujourd'hui, donc il faut renouer avec tout ça. Je crois très bien que le bloc va rester parce qu'on s'est vu, on s'est revu. Toute la question est là pour nous aussi. Déjà, on pense qu'on n'a pas eu le nombre qu'on avait escompté. Alors nous faisons en sorte que le bloc reste, au besoin même qu'il s'agrandisse, mais il n'y aura pas de défection. Le Parlement étant le haut lieu du respect des tests, tout s'est passé jusqu'à présent conformément aux dispositions réglementaires, c'est-à-dire le règlement intérieur du Parlement et la Constitution. Donc vraiment les impressions sont bonnes. Je suis fort impressionné par la façon dont les choses se sont faites. Le Parti des démocrates dont je suis un élu a une ligne de conduite. Hein. La preuve, nous avons fait une déclaration politique tout à l'heure. Nos actions vont s'inscrire forcément et résolument dans le cadre de cette ligne de conduite. Moi, en tant qu'élu démocrate, je ne me désengagerai nullement, n'est-ce pas, de la ligne de conduite du Parti des démocrates.